On attend donc les coups d'envoi. Vous êtes sur la bonne adresse. C'est les grands derbys louchois. Je vous assure que vous ne serez pas déçus par rapport au contenu de ces grands derbys entre Mazembe et Lupopo qui démarre très bien avec cette première incursion dangereuse de Mazembe. Heureusement pour Lupopo, les gardiens Simon Omosola a très bien fait son travail pour éviter ces buts matinales de Mazembe. Belle récupération d'Augustine Oladapo, les Nigériens. Mais les pressings si haut de Lupopo va peut-être payer avec cette frappe. Orso qui va profiter. Non, ce n'est pas terminé. La frappe à suivre. Aliufati Badara. Impérial sur sa ligne de but pour empêcher ce but de Saint-Éloi Lupopo. La belle passe avec beaucoup de précision. Le centre n'est pas tout Kabangou. C'est très bien envoyé. Et la balle qui traîne. Il a bien tenté parce qu'il y avait trop d'espace dans cette zone dangereuse de Mazembe. Il y a également quelques cadres côté Saint-Éloi Lupopo. Le fair play qui prime toujours comme d'habitude. Une belle ambiance ici au stade TP Mazembe entre ces deux protagonistes. Allez, Lupopo qui continue toujours de combiner Kazema Basso avec beaucoup de vitesse. Attention avec l'attaque de Kazema Basso, le centre. Résultat, mais sans succès, pas de faute, estime l'arbitre du match. Goy, ce n'est pas terminé. Boka Isaka qui frappe en ras du sol. Cette tentative de Boka Isaka. Zimanga Sosé. Très bon duel au milieu des terrains entre Zimanga Sosé et Mika Miché. Soit Massini Dibois et Oladapo Augustine. Kazema Basso dans son couloir avec Ibrahima Keïta. Kazema qui continue de mettre en branle dans ses couloirs droit de Mazembe. Kazema Basso, le centre de Kazema. C'est la tête de Mondeko. Kazema Basso avec quelques incursions très intéressantes. Le centre d'Ibrahima Keïta, la tête Kidzoubi. Le centre de Kidzoubi, c'est la tête de Jonathan Mokondi. Oladapo, Oladapo qui frappe. On n'ira pas trop loin parce que c'est la pause ici au temple de Banyangwela. 0 but partout entre les TP Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo. Encourager. Badamassi. La lampade de Badamassi. Mazembe dans le camp de Saint-Éloi Lupopo. C'est Kabuit qui tente de faire du mal. La frappe. Et c'est Simon Omosola. Belle réponse de Simon Omosola, les gardes de but. Et Saint-Éloi Lupopo. C'est bien travaillé dans la surface. La tête au second poteau. Papa Philippe Traoré démarqué son 25e but, le centre. Dans la surface, rien de spécial. Qu'y a-t-il? Il y a pénalty pour Mazembe. Il y a pénalty pour Mazembe. Massini Dibois qui veut se prendre à l'arbitre du match, qui a donc approuvé ou encore signalé le penalty en faveur des Mazembe. Mais lui, il va marquer peut-être son 25e but. Et oui, c'est fait. Il bat donc le record de Jackson Mouleka, l'ancien des Mazembe, et Mundele Makoussou. Le 25e but de Philippe Traoré. Le meilleur buteur de cette édition avec 25 réalisations. Il est là, le Malien Philippe Traoré. C'est bien géré par Bayano. Pas trop d'inquiétude pour les gardiens Aliufati Badara. On va d'abord suivre ce coup franc des Boka Isaka. Le centre des Boka. C'est envoyé par l'équipe des Mazembe. C'est fou qui écarte la balle à son coéquipier. Lupopo dans les camps des Mazembe, le tir calibré, mais de Lupopo avec ses fous, il y a faux sur ses fous. Non, pas du tout, estime l'arbitre du match. Traoré, Fili, Fili qui glisse la balle. Heureusement pour Lupopo, Mokondi, Jonathan était très bien positionné parce que les gardiens Simon Omosola étaient déjà battus.
Belle attaque de Lupopo dans les camps de Mazembe. La passe de Moko pour Chatakora. 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 Pas de faute sur Chatakora selon l'arbitre du match. Les Cheminots qui se précipitent avec cette relance de Mokondi. La déviation, elle est bonne. La frappe à suivre. C'est trop appuyé, trop soulevé. Et pourtant, c'était l'occasion d'obtenir l'égalisation. Massamba. La relance de Massamba, la montée de la poitrine. C'est très bien communiqué. Il est dans la surface. La frappe trop écrasée. Aucune chance pour battre les gardiens. Toré pour Oscar Kabuit. Kabuit. Kabuit qui avance, la passe de Kabuit est acceptée par Sefou. Simon qui se précipite pour relancer. Et voilà, c'est fait de la part de Simon Mossola. Rien de spécial et c'est terminé. Mazembe s'impose devant Saint-Éloi Lupopo grâce au but inscrit sous penalty par Philippe Toré.